Arthur ! Arthur ! Mon Dieu, Arthur, c'est terrible. D'Amber est mort. Parlons qui ça ? D'Amber, la fourme. Mais c'est qui encore celui-là ? D'Amber, le cuisinier. Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui, j'y étais pas du tout. Mais celui-là est arrivé. Il est tombé des latrines. Qu'est-ce qu'on va devenir, hein ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Oui, bon, ouais, c'est peut-être un tout petit peu exagéré de vous mettre dans cet appareil, hein, mon vieux ? Alors, vous êtes capable de zigouiller 10 soldats à peine majeurs, sans pitié, comme ça ? Et là, vous chialez pour un vieux pecno qui est tombé de 25 mètres. La même chose qu'il avait des péqués, d'ailleurs. D'ailleurs, il va peut-être falloir trouver une solution à ces latrines, hein. Le sixième cette année, hein. Mais vous comprenez pas ce que ça signifie, hein ? On n'a plus de cuisinier ! Et moi ? Mais moi, je peux pas concevoir de partir au combat sans la panse digne d'un roi. Oh, bah alors déjà, vous êtes pas roi, hein, donc... Mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, ouais, vous bouffez comme un roi, ouais. Vous êtes pas roi. Oui, mais il y a urgence. Bon, on va passer une annonce, hein. On va le trouver, ce nouveau cuisinier. On va pas en faire un flan, quand même. Alors ? Alors, c'est un goût de rassis. Suivant. Bonjour, messire. Je m'appelle Patine. Je suis ici pour le poste de chef cuisinier. Bien. Enchanté, Patine. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ? Une touflette. C'est un mélange de tourte et de tartiflette. C'est une de mes spécialités, vous m'en direz des nouvelles. Ouais, là, c'est un peu ça, la pipi, Patine. C'est pas trop de chez nous, quand même, ça. Gobert ferme, là. C'est... Mais... C'est très bon, hein. C'est délicieux. Vous pouvez pas manger proprement, là, non. Vous souhaitez certainement savoir ce que je faisais avant. Non. Oui. J'étais chef dans un grand château, géré par de grands seigneurs. Ils ont été retrouvés morts. Tous. Curieuse histoire, n'est-ce pas? Enfin, vous allez nous raconter toute votre vie, là. C'est très très bon, hein. C'est très très bon, Arthur. J'avais un époux qui s'occupait de moi, mais il est mort, lui aussi. Tombé du toit. Je dois donc travailler pour vivre. Triste nouvelle. Vous m'envoyez navré, ouais. Vous avez des enfants ? La touffette est mon nouveau plat préféré ! Eh bien, oui. J'avais 5 enfants, mais ils sont morts, eux aussi. C'est pas vrai, vous avez encore faim après tout ce que vous venez de vous foutre dans le bide, là ? Ce sera un sacré déj de pas y goûter, hein, Arthur. Hein. Merci, vous faites honneur à mon plat. Vous me faites penser à mon époux. Bon, bah, je vais y goûter, hein. Pour pas engager n'importe qui. Vous disiez que vos 5 enfants sont morts. Oui, une maladie qui vous emporte avant même que vous ayez pris conscience de sa présence. Mais je ne vais pas vous déranger. Vous êtes le roi. Non, je n'ai pas tout à fait le roi. Mais attention un peu à votre poste ou quoi, là ? Bon, effectivement, je suis Arthur, mais je ne suis pas sire, Arthur. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous êtes bien le roi, Arthur ? Non, pas trop, hein. Oui, bon, vous avez compris, je ne suis pas le roi, voilà. Et cette maladie, c'était quoi exactement ? Je ne sais pas. Je ne suis que cuisinière, après tout. Oui, une bonne, hein, une bonne. Robert, qu'est-ce que vous foutez, là ? Ma chère, je vais vous montrer vos nouveaux appartements. Il se fout de moi. Gobert ! Gobert !